Stack, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui à la librairie Dialogue pour dédicacer Un amour exemplaire, un album jubilatoire paru aux éditions d'Argo et qui est le fruit d'une collaboration avec Daniel Pénac. Alors vous nous y contez avec tendresse et humour une histoire d'amour incroyable mais vraie, sortie des souvenirs d'enfance de Daniel Pénac. Et donc tout au long de la bande dessinée, vous nous faites découvrir un couple aux deux moitiés très attachantes, mais vous mettez aussi en scène Daniel Pénac vous racontant cette histoire dans un bistrot parisien. Alors est-ce que c'est vraiment comme cela qu'est née cette bande dessinée ? Exactement, c'est exactement comme c'est raconté dans l'album. Alors avec Daniel, on se connaît depuis longtemps et on a toujours voulu faire un truc ensemble. Et puis un jour, il m'a dit « Oh, j'ai un truc pour toi ». Voilà. Et donc, on s'est retrouvés à notre cantine préférée qui est à Montparnasse. C'est un restaurant à Montparnasse, c'est une brasserie parisienne. Et on s'est retrouvés là, il m'a dit « Je voudrais que tu me dessines cette bande dessinée. C'est une histoire d'amour, je te la raconte ». Et donc, effectivement, c'est lui qui a trouvé cette idée de ping-pong entre nous deux en train de construire l'histoire et de basculer tout le temps sur l'histoire ancienne. Quoi. Et ça amène du piment au récit, je pense. Alors oui, de ce récit dans un bistrot parisien à cette très belle bande dessinée, on imagine qu'il y a un long chemin pour scénariser l'histoire, croquer les personnages, construire à deux le projet. Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble ? Justement, avec Daniel, ça a été complètement différent parce que d'habitude, on fait un espèce de squelette de l'histoire, de l'album. Sur chaque page, on sait à peu près ce qu'on va mettre. Et donc là, on a procédé complètement différemment, c'est-à-dire qu'il me racontait l'histoire, il me l'a mimé comme ça, et puis moi, j'étais avec mon petit carnet de croquis, je dessinais les cases avec ce qu'il y avait dedans et tout ça, et puis on allongeait, on rétrécissait, enfin, on mettait en place après, et donc on a mené comme ça l'album tous les deux en même temps. Voilà, il n'a pas fait le scénario et moi j'ai dessiné après, on a tout fait en même temps. Et puis à travers votre récit, on découvre donc l'histoire d'amour atypique et hors du temps, vécue par Jean et Germaine, qui sont les deux protagonistes du couple. En quoi est-ce qu'il est exemplaire, cet amour ? C'est des gens qui intriguaient d'ailleurs les bons bourgeois du coin, parce que c'est des gens qui ont vécu ensemble tout le temps, ils ne se sont jamais quittés. Lui ne travaillait pas, parce qu'il disait que le travail c'était une séparation dans le couple. Ils ont pas eu d'enfants, parce que un enfant c'est un intermédiaire, donc on n'a pas eu d'enfants. Ils ont vraiment vécu tous les deux dans cette petite maison, à lire des livres, à dormir et à faire quatre léas et puis se promener, voilà. Donc ils n'ont vécu que pour leur amour. C'est extraordinaire. Alors Jean, ce monsieur stylé qui marche comme un canard, pour reprendre les mots de Daniel Pénac, est un personnage tellement atypique que vous avez accepté de changer la façon de dessiner vos nez pour ce personnage. Comment est-ce que ça s'est passé ? Comment est-ce que cette concession est devenue possible ? Oui, j'ai fait, comme dit Daniel, une rupture de style. Voilà. Et donc, moi, je fais toujours mes personnages à gros nez. C'est comme ça qu'on reconnaît le style Sestak. Et là, il m'a dit, ah non, non, il n'avait pas un gros nez pomme au four comme les autres. Il avait un nez en quart de brie. Donc, je lui ai dit, ah bon, je vais faire une petite... Voilà. Alors, je sentais que je lui faisais plaisir. Et donc, je me suis permis le nez en quart de brie. Voilà. Alors, tous les autres personnages, ils ont bien le nez patate, ils sont tous très expressifs. Et comment est-ce qu'ils se sont forgés au fur et à mesure du récit ? Est-ce que vous avez eu des modèles pour certains de ces personnages ? Non, en me racontant, je les imagine, et puis ça vient comme on dit dans le crayon. À un moment, on se met dans le crayon, on trouve la robe de Germaine, la dame, on trouve le costume de Jean, tout ça. Et puis une fois qu'on les a dans la tête et tout ça, ça vient tout seul, quoi.